Bonjour à tous, on est ravis que la Fédération d'athlétisme ait été invitée à cette journée pour pouvoir vous expliquer comment on est organisé à la Fédération. Alors c'est beaucoup moins performant que ce que vous venez de voir aujourd'hui, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de fédérations aujourd'hui qui ont tous ces outils, donc j'espère que ça pourra servir. Ce dont je vais vous parler, c'est d'abord les textes, mais ça je pense que vous en avez beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est juste pour vous dire quelle est la compétence aujourd'hui de la Fédération et des organes départementaux. Ensuite, la procédure de délivrance de l'avis et puis ensuite les outils d'accompagnement. Si on revient sur les textes de la Fédération, donc nous on a une réglementation des courseurs stades. Je pense qu'après vous aurez accès au PowerPoint et j'ai mis des liens hypertextes pour que vous puissiez y accéder directement, donc ce sera peut-être plus simple. Et on a un article 1.2 qui prévoit que la compétence concernant les règles, l'avis à rendre concernant les règles techniques et de sécurité incombe aux commissions départementales des courseurs stades, donc les CDCHS. Ce sont des commissions internes à chaque comité départemental et donc il y en a un dans chaque département. La demande d'avis, elle est composée des mêmes pièces qui sont demandées pour les demandes qui sont d'autorisation déposées en préfecture. Et c'est un avis motivé qui est rendu par la fédération, où on en a parlé tout à l'heure, sinon le silence vaut acceptation. J'en profite juste pour vous dire que dans la salle, il y a une personne aujourd'hui qui est présidente de CDCHS, donc Madame Séchez, qui est de la Fédération française d'athlétisme. Donc si je dis des bêtises, arrêtez-moi ou complétez. On a toute une page sur le site de la fédération qui est dédiée aux événements de course hors stade. Donc vous pourrez aller voir via le lien CHS de la FFA tous les éléments qui sont mis aujourd'hui en accès direct et en accès libre pour les organisateurs et également les personnes des CDCHS qui doivent valider donner les avis concernant les règles techniques et de sécurité. Donc là je vous ai mis le formulaire de demande d'avis relatif à l'organisation qui est assez simple et qui permet de donner les différents éléments en allant des contacts pour l'organisation jusqu'au parcours et les différents éléments concernant les courses. On a mis en place une procédure depuis quelques années grâce au développement d'un logiciel qui s'appelle Calorg pour le calendrier des organisateurs qui commence maintenant à porter ses fruits. Il a fallu arriver à convaincre tout le monde de l'utilité de ce logiciel Calorg qui a été développé par nos systèmes d'information et par les élus en interne. Donc c'est un système dans lequel l'ensemble des organisateurs, que ce soit des associations qui sont affiliées à la fédération ou des associations extérieures à la fédération, ou même des personnes privées qui souhaitent organiser des courses, elles doivent passer par ce logiciel Calorg. Alors aujourd'hui, Madame Séchez, je pense, pourra en témoigner, on n'a pas encore 100% d'inscription des courses sur le logiciel Calorg. L'objectif, c'est vraiment qu'on atteigne ce 100% dans un souci de développement durable, dans un souci de dématérialisation aussi, comme on l'a évoqué déjà à plusieurs reprises. Donc aujourd'hui, si vous souhaitez faire une course en 2018, vous aurez jusqu'au 31 octobre 2017 pour vous inscrire sur le logiciel Calorg. Et cette inscription, en fait, elle est qui vaut pour une inscription au calendrier. Donc c'est pas parce que vous êtes inscrit sur le logiciel Calorg qu'il y a un avis qui est rendu. Pour le moment, on demande juste à l'organisateur de s'identifier un petit peu pour réserver les dates et que les CDCHS puissent organiser l'ensemble des compétitions. Tout à l'heure, vous évoquiez la difficulté d'avoir deux parcours ou deux manifestations qui se déroulent sur un même parcours. L'objectif ici de cette inscription presque un an avant, c'est de permettre au CDCHS justement d'éviter qu'il y ait des courtes qui soient concurrentes le même jour ou autre. En dehors de cette période, effectivement, donc jusqu'au 31 octobre 2017, il y aura des possibilités qui seront ouvertes directement via les CDCHS. Donc en fait, une fois qu'un organisateur identifie sa course sur Calorg et qu'il saisit les différents éléments, soit il a mis tous les éléments et à ce moment-là, on ira directement sur une validation et la course sera inscrite à notre calendrier, soit il n'a pas encore inscrit tous les éléments sur l'organisation, les épreuves, les contacts, le site web, et à ce moment-là, la course, elle n'est pas encore inscrite sur le calendrier de la fédération. Si tous les éléments sont complétés, donc la course est inscrite au calendrier de la fédération, mais ce n'est pas parce qu'elle est inscrite au calendrier de la fédération, puisque vous savez que dans l'arrêté, il est précisé que chaque fédération a ses propres modalités de publication au calendrier. Nous, en l'occurrence, à partir du moment où une course est inscrite, vous le voyez, il y a le petit schéma en bas, je ne sais pas si vous voyez bien, on a le nom de la course et on a entre parenthèses avec un petit tiré. Donc là, ça veut dire que l'avis n'a pas encore été rendu.
Ensuite, il y a l'étape 3. Donc, la CDCHS, elle valide l'inscription de la course, mais elle n'a pas encore rendu son avis non plus. Donc, on est toujours sur cette petite barre entre parenthèses. Et quand on passe la souris sur la course, on voit afficher avis technique et de sécurité pas encore rendu. C'est-à-dire que la course est inscrite au calendrier, mais aucun avis concernant les règles techniques et de sécurité n'a encore été rendu. Si on passe à l'étape 4, donc l'étape 4, c'est la CDCHS qui aura instruit le dossier au regard de tous les éléments qui auront été adressés en complément. À ce moment-là, la CDCHS peut valider l'inscription de la compétition. Soit elle émet un avis favorable et à ce moment-là, on voit que le petit trait est devenu un F, entre parenthèses, pour indiquer qu'un avis favorable sur les règles techniques et de sécurité a été rendu. Soit, elle estime que la course ne répond pas aux règles techniques et de sécurité qui sont prévues dans notre réglementation des courses hors stade. Et à ce moment-là, la compétition, elle disparaît du calendrier. Donc, c'est-à-dire que pour les préfectures qui souhaitent avoir un retour rapide de la fédération, à ce moment-là, je vous invite à consulter le calendrier de la fédération sur lequel il y a les organisations qui sont répertoriées. Quand l'avis a été rendu, à ce moment-là, vous avez le petit F qui apparaît. Alors, tout ça, c'est en train, je vois Madame Séchez qui fait la moue, mais tout ça, c'est en train de se mettre en place. Ça, c'est dans un monde idéal. Dans les faits, il y a encore un peu de manquement parce que ce matin, quand je préparais les slides, je voulais vous mettre le lien vers le calendrier de la fédération qu'on voit en bas et on se rend compte qu'il y a des courses qui ont lieu ce week-end pour lesquelles il n'y a encore pas d'avis favorables qui ont été rendus. Voilà. Donc ça veut dire que c'est dans un monde idéal, on voudrait tendre d'ici quelques années à exploiter complètement ce logiciel et à ce que l'ensemble des CDCHS puissent le compléter et dès qu'elles ont rendu un avis, l'intégrer dans le logiciel Calorg pour que les préfectures et l'ensemble des personnes qui peuvent consulter notre site qui est public puissent voir si un avis technique, un avis favorable a été rendu. Voilà, c'est en train de se développer progressivement. On fait beaucoup d'explications aussi pour que les CDCHS prennent le relais. Mais c'est vrai que parfois, ils sont quand même très attachés au formulaire papier et que Calorg, c'est pas toujours évident. Dans les outils d'accompagnement qui sont mis en place par la fédération, en plus de la réglementation des courses hors stade, qui est un petit livret qu'on distribue tous les ans à l'ensemble des organisateurs et qui est téléchargeable sur le site de la fédération, on a également un manuel de l'organisateur qui explique les différents points de vigilance, ne serait-ce que qu'on va devoir faire évoluer les dispositions concernant les certificats médicaux et les licences, les dispositions et bien sûr concernant la réglementation à proprement parler, mais de manière générale, quand je décide d'organiser une course hors stade, comment je m'y prends et quels sont les différents éléments de vigilance. Donc, on a le guide pour Calorg, parce que le petit logiciel que je vous ai montré ici, il faut quand même arriver à compléter les éléments de manière correcte. Donc, il y a un guide qui est sur le site de la fédération que vous pourrez télécharger si vous le souhaitez. Et tous les ans, il y a une réunion qui est organisée par les CDCHS en début d'année pour l'ensemble des organisateurs, pour faire un point sur les nouveaux points de réglementation. Par exemple, vous en avez parlé tout à l'heure, les courses à obstacles. La fédération a obtenu la délégation lors du dernier arrêté en décembre. Là, la réglementation est en train d'être finalisée. Donc, dès que tout sera opérationnel, les CDCHS pourront également rendre un avis technique et de sécurité concernant les courses à obstacles.